Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose à l'improviste. D'habitude, je vous publie des choses, donc on discute dessus, puis on en parle. Aujourd'hui, je vais faire différemment. Je vais vous raconter une histoire triste, vraiment triste. En quelque sorte, on va faire juste, je me permets de le faire en français parce que c'est un message qui est destiné à une personne en particulier. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que on va faire une petite révision de tout ce qu'on a dit par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à l'épanouissement des enfants pour plus tard, la future génération. Ce que je voulais vous dire exactement, c'est que ce qu'on donne à nos enfants, c'est ce qu'on récolte. Aujourd'hui, par exemple, dans un couple, un homme et une femme qui se rencontrent, ils se disent, tiens, on est fait pour être heureux, on est fait pour vivre ensemble. Et vu, comment dire, l'importance de notre amour, on va essayer d'avoir des enfants et de leur donner tout l'amour qu'on a pour eux. Sauf qu'à travers le temps, les deux parents ne s'entendent plus. Quand ils n'ont pas d'enfants, ils se séparent et chacun va de son côté. Sauf que quand le couple ne va pas bien, et qu'ils ont des enfants, généralement, ce n'est pas généralement, tout le temps, c'est les enfants qui payent. Ils payent, mais vraiment très très cher, cette désunion, cette séparation, ce divorce. Je vous ai dit dans les anciens messages, puisque j'insiste beaucoup sur ça, j'insiste beaucoup, 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 c'est que quand les parents se disputent, les enfants sont conscients, même s'ils ont un nom, même à un nom, un nom. Ils se souviennent de ce qui s'est passé dans leur enfance. Surtout, n'en parlons pas dès qu'ils sont un peu plus âgés. Et donc, les enfants payent l'erreur des parents. Ces quelques dernières années, je me suis spécialisé dans la psychologie du comportement, parce que je voulais comprendre le comportement humain. Surtout, je me suis spécialisé dans l'enfance, dans la petite enfance. Surtout les enfants issus du divorce. Parce que les enfants, moi je ne les appelle pas les enfants des orphelins qui n'ont pas de parents, mais tout simplement les enfants issus d'un divorce, je les appelle au fait ce sont des otages du couple. Pourquoi ce sont des otages du couple? Parce que il y a des parents qui sont compréhensibles, ils sont humains, ils font tout pour que leurs enfants, même étant séparés, ils restent ensemble, ils pensent beaucoup à leurs enfants. Sauf que il y a certains parents, ils sont tellement égoïstes, ils sont tellement pervers, ils sont tellement, comment dire, je ne sais même pas comment je pourrais les appeler. Ils font tout pour eux, en ignorant complètement et oubliant leurs enfants. Je vais vous dire une chose, un enfant, ce n'est pas un jouet. Un enfant, quand on décide de le mettre au monde, c'est parce qu'on veut l'assumer. Si on met un enfant au monde, c'est parce qu'on veut lui donner l'amour qu'on a. Malheureusement pour certaines personnes, quand ils mettent des enfants au monde, c'est parce qu'ils ont besoin d'affection. Je vous donne l'exemple des enfants ou des adultes qui ont vécu une histoire très malheureuse où ils ont été abandonnés par leur papa ou pour leur maman, où ils ont perdu par décès leurs parents. Ils vivent très très mal leur enfance et n'en parlons pas de leur adolescence et la suite. Sauf que, dans certains cas, surtout les filles qui sont toujours du côté de leur papa, souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles n'arrivent jamais à mener une vie normale comme celle que vivent toutes les autres filles qui ont vécu et grandi avec leurs parents ou avec leur papa en particulier. La mère est un signe d'affection, le papa, c'est plutôt la sécurité. Et donc, si on donne à un enfant de l'affection, on ne lui donne pas de la sécurité, à quoi ça sert? C'est pour ça que je vous ai fait la dernière fois la vidéo où les mamans ne peuvent pas remplacer le papa. Malheureusement, c'est que parfois, elles sont obligées de remplacer le père, sauf que on ne peut pas remplacer le père. Un enfant, même s'il ne vous dit pas qu'il a besoin de voir son père ou qu'il est en manque d'affection de son père, mais sachez qu'il a toujours besoin de l'affection de son père. Donc, aujourd'hui, je me suis spécialisé dans ce domaine, dans la psychologie du comportement de l'enfant, surtout un enfant issu d'un divorce ou d'un abandon.
Et plus je creuse dedans, et plus je suis très malheureux. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis dans ce cas-là. Ce n'est pas moi qui ai été abandonné par mes parents. Au contraire, mes parents, ils ont toujours été aux petits soins avec moi, mais plutôt ma fille Baya. Donc, je vous ai déjà parlé d'elle. Donc, aujourd'hui, j'ai été sur Internet, j'ai tapé son nom, j'ai vu que elle va faire quelque chose. Elle a fait ou elle va faire quelque chose qui m'a touché, qui m'a vraiment touché. Je sais qu'elle va le regretter plus tard. Elle va le regretter amèrement plus tard parce que quand on vit dans une maison et qu'on n'a qu'une seule version des faits, et surtout quand cet enfant entend toujours cette même version tous les jours, matin, midi et soir, l'enfant finit toujours par croire ce qu'on lui dit et malheureusement il ne cherchera même pas à comprendre ou voir l'autre partie. Pour ma fille, aujourd'hui, tout le monde me disait qu'à ses 18 ans, elle viendra te voir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, je sais ce qui se passe, je sais ce qui se passe, je sais ce qu'elle entend tous les jours. Et donc, arrivée à 18 ans, non, au contraire, à ses 18 ans, elle m'a offert un cadeau que je paye amèrement. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Je vais juste vous raconter quelque chose. Une fille, parce que moi, tous les soirs, j'y vais il y a deux endroits. Il y a la bibliothèque François Mitterrand et il y a la dalle des Olympiades. Je vous ai fait plusieurs fois des lives sur la dalle des Olympiades. Tous les enfants qui ont été rejetés par leurs parents, tous les enfants qui sont issus de divorces, ils y vont tous, soit à la bibliothèque François Mitterrand, soit comment ça s'appelle, à la dalle des Olympiades. Ils parlent entre eux. Chacun fait ce qu'il fait. On les voit de loin, on les voit très heureux, on les voit épanouis, rigoler, sourire, mais au fond, ils sont vraiment très très malheureux. Ça m'est arrivé où, je vous ai dit la dernière fois, j'étais à République, il y avait Mustapha et son ami, je me souviens plus du nom. Je lui ai dit, je regarde comme ça des jeunes filles qui sont assises au loin, je lui dis, ces jeunes filles-là, la plupart, elles sont très très malheureuses. Je lui dis, tu verras, je vais aller parler avec eux, je vais leur dire deux mots, elles vont pleurer, tout simplement. Elle m'a dit, c'est impossible. Je lui dis, viens, je vais te montrer, je vais te prouver que ce que je dis, c'est le cas. On arrive vers les filles, on les salue, je leur ai dit, voilà, blablabla. Bon, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, toi, tu es en manque d'affection de papa, parce que ça se voit. Un enfant qui est en manque d'affection de son papa ou de sa maman, ça se voit dans les yeux. Quand j'ai regardé cette fille, j'ai dit, tu es en manque d'affection de ton papa. Je pense que tu l'as pas vue depuis longtemps. La pauvre fille, ce qu'elle a fait, elle a pleuré directement. C'est parce que cette enfant-là, elle est devenue très très fragile. Pourquoi? Parce que elle n'a entendu qu'une seule version toute sa vie. Aujourd'hui, je n'adresse pas la parole, je n'adresse pas ce live aux parents, mais je vais l'adresser aux enfants. Je vais leur dire tout simplement, ne croyez pas ce que un parent peut vous dire de l'autre parent. Je peux comprendre parfois que le parent qui part ou qui abandonne son enfant est un père indigne ou un parent indigne, comme on peut dire aussi si tu es une mère indigne, mais tout simplement, il ne faut pas croire qu'une seule version. Je parle beaucoup avec ces jeunes-là, je parle beaucoup avec ces enfants-là, je leur dis, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que votre papa vous a vraiment abandonné? Est-ce que votre maman vous a vraiment abandonné? Et ils disent oui. Je dis, prouve-moi que votre papa vous a vraiment abandonné ou votre maman. Et ils disent, ah mais je ne peux pas vous prouver, moi c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Ce qui veut dire au fait, l'information qui passe aujourd'hui dans une maison, c'est une information égoïste. C'est tout simplement le parent qui garde l'enfant, fait tout pour se justifier à lui-même de ses mauvais actes ou de sa mauvaise. Je parle à titre personnel. Je parle à titre personnel. Je sais qu'il y a des mamans qui ont souffert, des papas qui ont souffert. Moi, je parle ce live, je parle pour moi. Je parle pour moi. Et quand je parle pour moi, des fois, quand je parle des autres, mais en sachant que je parle pour moi. Donc, si dans une maison où le seul parent avec qui il vit, donc il lui rabâche dans sa tête que ton père t'a abandonné, ton père t'a abandonné, ton père t'a abandonné. Un enfant, dès son jeune âge, à sa majorité, n'a que ça dans les oreilles. Il arrivera à croire tout ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on lui dit, même si on lui dit que la terre est plate,
quand on lui dit de tout petit que la Terre est plate, il arrivera à un moment où des scientifiques, où il verra à l'école que la Terre est ronde, mais elle dira non, 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 pas beaucoup, pas beaucoup, pas du tout, pas du tout. Plutôt, la Terre, elle est plate parce que moi, depuis mon enfance, on m'a dit que la Terre était plate. Alors qu'elle voit bien que la Terre est ronde, mais la Terre, elle est plate parce qu'on lui a fait croire, on lui a bourré la tête que la tête est, elle, que la Terre est plate. Aujourd'hui, une fille surtout, une fille. Les enfants, les garçons sont un peu machos. Les garçons ne parlent pas trop de leurs problèmes et pourtant ils sont très très malheureux aussi. J'en ai vu pas mal. Sauf que ce sont les filles qui se libèrent très facilement et qui font confiance et qui parlent de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent. Les filles qui ont abandonné en quelque sorte ou qui sont issues d'un divorce et le papa ne supporte plus la vie de famille, que la maman, en quelque sorte, que la mère de l'enfant met la pression sur le papa, donc il finit par partir pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas faire de conneries. Donc automatiquement, c'est un abandon. Cet homme-là a abandonné son enfant, alors que ce n'est pas le cas. Ces filles-là se posent beaucoup la question. La seule question qu'elles se posent, c'est pourquoi mon père est parti? Pourquoi ma mère est partie? Elles osent jamais poser la question. Je vais vous raconter une histoire très bête, très juste à côté. Excusez-moi si je ne vous réponds pas. C'est quelque chose qui m'est propre. Je suis très 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 triste. Donc je vais dire ce que je pense. C'est un message en quelque sorte que je passe à ma fille. Donc je vais vous raconter une petite histoire d'une fille. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. C'est bon, bref. Elle a 13 ans. Donc, son papa l'a abandonnée en quelque sorte. Elle est partie avec une autre femme, donc et c'est pas loin. Donc, cette fille-là a toujours vécu avec sa maman. Elle a ressenti la tristesse de sa maman. Et donc, elle s'est toujours posé la question, pourquoi mon papa nous a quittés? S'il s'entend pas avec ma maman, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait pour mon papa. Pourquoi il m'a quitté? Et donc, du coup, elle le voit très rarement, mais elle a toujours voulu lui poser la question. Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu t'entends pas avec ma mère, pourquoi tu m'as abandonné moi? Sauf qu'à chaque fois, elle se dit, je vais me poser la question plus tard. Je vais poser la question plus tard. Sauf que malheureusement, malheureusement, le père est décédé et cette fille-là, elle se retrouve aujourd'hui à se dire, d'une part, pourquoi mon père m'a abandonné, mais d'autre part, pourquoi je l'avais pas fait avant son décès. Vous comprenez? Donc il l'a abandonnée en quelque sorte, en ne soyant pas présent à côté d'elle, de son vivant. Aujourd'hui, il est mort, il est décédé. Donc elle n'a pas réussi à poser la question à son père. Elle n'a pas réussi à avoir la réponse de son père. Donc maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans cette situation. Moi, ce que je pourrais vous dire tout simplement à ces enfants-là, posez la question. Osez poser la question à votre papa ou votre maman. Pourquoi vous m'avez abandonné? Moi, j'adresse ce message à ma fille. Moi, il suffit de taper ton nom et ton prénom sur Internet, sur Google. Je t'ai donné toutes les informations. Je t'ai donné toutes les réponses aux questions que tu devais me poser. Je t'ai raconté à travers une chanson que j'étais faite et qu'un ami a fait la musique et moi j'ai fait les paroles. Dans ces paroles-là, je t'ai dit comment on était avant. Comment on est maintenant et comment tu deviendras plus tard? Je t'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, si tu oses aller sur Google et taper ton nom et ton prénom, tu auras les réponses. L'association que j'ai créée, je l'ai créée pour toi. Ça s'appelle Tarbaya Vidéo. Tariq, c'est moi. Baya, c'est toi. Et la vidéo. Et donc, ce n'est pas que je t'ai abandonné. Ce n'est pas